Assieds-toi confortablement au sol. Prends un instant ici pour ressentir l'assise confortable. Et doucement, observe avec quelle respiration tu arrives sur ton tapis aujourd'hui. Et doucement, de plus en plus, en ressentant les points de contact de ton corps avec le sol et en allongeant la colonne, en relâchant les épaules, tu entames la respiration complète pour 2 minutes. Respire confortablement. À l'inspiration, le ventre se gonfle, les côtes s'ouvrent, léger soulèvement des clavicules. À l'expiration, le nombril vers la colonne vertébrale, le ventre se dégonfle entièrement, les côtes se rapprochent l'une de l'autre et les clavicules se rabaissent. Continue ce mouvement de vague et ressens le calme qui semble s'ouvrir de plus en plus à l'intérieur de toi. Expérimente cette respiration yogique complète jusque dans chacune de tes cellules. Sens l'oxygénation du corps qui s'optimise. Respire profondément en conscience. Encore quelques instants ici. Et permets-toi d'amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Étire la nuque. Inspire au centre et à l'expiration, l'oreille droite près de l'épaule droite. En gardant tes épaules vers le sol, vers l'arrière, sans trop de tension. Inspire, soulève les bras vers le ciel et à l'expiration, étire le côté gauche. Inspire et expire, penche de l'autre côté. Assure-toi d'avoir une base bien solide et d'engager le plancher pelvien vers l'intérieur. Grandis-toi. Suis la respiration. À chaque inspire, tu reviens au centre et à chaque expiration, vers le côté. Reste conscient des sensations du corps. Ramène les mains au sol, dépose tes doigts au tapis, comme si tu pouvais sentir l'ancrage au sol. Soulève la nuque et à l'expiration, le dos s'arrondit. Inspire vers l'avant, ouvre la poitrine et à l'expiration, roule le dos, nombril vers la colonne. Suis le souffle, inspire, expire, emmène le mouvement des bras, fais une ouverture des bras. Une fermeture de ceci pour amplifier le mouvement qui suit ta respiration complète. Continue quelques fois. Entre complètement, tu es le mouvement. Tu es la vie à l'intérieur de cette variation. Le mouvement qui suit ce souffle. Avec grâce, comme si tu embrassais chaque particule de ton être et de ce qui t'entoure. Et doucement, dépose-toi au sol, le dos installé au tapis.
Ramène les genoux vers la poitrine. Permets-toi de bercer de droite à gauche, de faire des rotations avec les mains sur les genoux ou en dessous des cuisses, comme c'est le plus confortable pour toi. Permets-toi de faire des rotations d'un côté et de l'autre. Et ensuite, avec les deux genoux ensemble, on roule les jambes vers l'extérieur jusque vers l'intérieur et on le fait aussi dans l'autre sens. Viens chercher l'extérieur des pieds et ouvre. Le bébé heureux, amène un genou à la fois vers le sol. Et lorsque c'est fait, tu peux rester un instant ici sans bouger aussi. Redépose le pied gauche au sol, ramène la cheville droite sur la cuisse, juste en haut du genou opposé, et rapproche la jambe de la poitrine, étire la hanche, et si c'est possible, pousse la jambe gauche vers le ciel, pousse dans le talon, en engageant les orteils vers ton front, et en éloignant le genou droit de ton corps. À l'expiration, remonte le haut du corps si cela est possible et avec la gravité, laisse la main amener un peu plus la jambe vers ton front. Peut-être pourras-tu aller chercher le talon ou le dessous de ton pied. Des respirations complètes ici. Ramène-toi à la respiration. Doucement redépose. Étire complètement le corps. Étire les bras au-dessus de la tête. Pointe les orteils. Et doucement fais la même chose de l'autre côté. Prends tout le temps qu'il faut pour bien entrer dans la posture, dans la variation qui te convient. Assure-toi de faire toutes les étapes pour t'y rendre. Pousse dans le talon. Marche avec les mains là où c'est possible. Relâche les épaules, la mâchoire, la nuque. Et à l'expiration, remonte le haut du corps, les yeux, le front vers le tibia. Sens la jambe qui veut se rapprocher. Simplement en gardant les épaules vers le sol, la jambe se ramène. Respire ici. Et doucement redépose au sol. Un instant d'étirement, d'expansion du corps et retour. Jambes collées, mains au tapis. Fais tous les ajustements nécessaires ici pour être confortable. Et prépare-toi. À l'inspiration, soulève les jambes. Et expire vers le sol sans toucher le tapis. Suis cette séquence quelques fois. À l'inspiration, les jambes se soulèvent et à l'expiration, vers le sol. Ensuite, jambe droite et ensuite, jambe gauche. Viens clapper les mains de l'autre côté de la cuisse, une jambe à la fois en alternance, sans toucher au sol avec les jambes. Hop,
Inspire, haut du corps se soulève, clap. Hop. Hop. Continue à ton rythme quelques fois. Permets au centre du corps de se renforcer. Viens porter les jambes au sol. Et fais un peu comme un avion, un hélicoptère, de chaque côté, en alternance. Délie les hanches. Tourne la tête de façon opposée. À l'expiration, les genoux s'en vont vers le sol et la tête se tourne. À l'inspire, tu remontes et à l'expiration, même chose de l'autre côté. Continue quelques fois. Rapproche bien les talons de tes fessiers, largeur des hanches. À l'inspiration, pousse le bassin vers le haut, demi-pont. Et si c'est possible, viens chercher les doigts ensemble et ouvre encore plus les épaules au sol. Respire ici. Garde bien la pose. Tes pieds pointent vers l'avant. Et si c'est possible, variation, soulève la jambe droite et redépose. À l'inspiration, soulève la jambe gauche. Tu peux faire une rétention ici avant de faire ton expire pour redéposer la jambe vers le sol. Continue ce mouvement en alternance. À l'inspiration, la jambe se lève. À l'expiration, vers le sol. Et entre ça, tu peux maintenir une rétention pour allonger le mouvement. Inspire, rétention, expire, inspire, rétention, pousse le bassin vers le haut, et doucement redescend de la pose. Ramène les genoux vers la poitrine, le front vers les genoux, et verse-toi dans l'avant en arrière pour masser la colonne vertébrale de tout son long. Amuse-toi! Encore quelques fois et relève-toi. Encore une fois, hop, en utilisant l'ancrage et la force de ton centre. Relève, hop. Encore quelques fois. Et doucement, viens chercher les coudes avec les mains opposées derrière les jambes. Colle bien l'abdomen sur les cuisses et doucement déplie le corps. Le corps se déplie dans la pince debout. Laisse le haut du corps aller encore plus vers l'avant et pousse dans l'avant des pieds, allonge l'arrière des jambes. Et doucement, remonte vertèbre par vertèbre. Fais tous les ajustements nécessaires. Rotation du cou d'un côté et de l'autre. Doucement, on va aller faire des torsions debout. Donc, tu vas venir chercher tourner le corps, reste ici et respire. Garde bien les pieds ancrés, largeur des hanches. Les hanches sur une même ligne vers l'avant, seulement le haut du corps se tourne. Même chose de l'autre côté, twist. Les mains sur les hanches.
Et ensuite, fais ce mouvement dynamique. Twist d'un côté et de l'autre. Donc ici, on vient continuer le mouvement. Mais ce qu'on veut, c'est un lâcher-prise total. Donc la base est là et on peut laisser aller le mouvement de façon intuitive. Let's go, laisse aller tout ce dont tu n'as plus besoin, libère. Vraiment, laisse le corps, essaie d'accélérer le mouvement, accélère. Et doucement, décélère, le mouvement ralenti. Et continue les mouvements intuitifs avec les épaules qui se mouvent. Sens la respiration qui se calme. Et doucement vers l'avant. Laisse l'avant du corps aller vers le sol. Viens chercher les mains avec les coudes opposés. Relâche. Relâche. Et donc, à l'inspiration, étire le dos. Expire, relâche tout. Inspire. Expire, relâche tout. Encore une dernière fois. Permets-toi de relâcher et doucement, vertèbre par vertèbre, remonte avec les épaules qui s'ouvrent davantage. Et à l'expiration, redescend toujours avec les mains sur les coudes opposés. Roule la colonne, remonte à l'inspiration. Et à l'expiration, redescends vers le sol. Inspire, déroule la colonne vers le haut. Et expire, relâche. Deux mains de chaque côté des pieds, le front vers les tibias et remonte. Ramène les mains au cœur à l'expiration. À l'avant du tapis. Inspire vers le haut et vers l'arrière. Expire vers l'avant et vers le sol. Inspire à demi-remontée. Expire, plonge. Jambe droite derrière, dépose le genou au sol, soulève les bras vers le ciel. Expiration, ramène les mains au sol. Planche. Expire, genou, poitrine et menton au sol et à l'inspiration dans ton cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit devant, soulève les bras dans le cavalier et dépose au sol, planche. Expire, genoux, poitrine et menton au sol. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, Adho Mukha Svanasana. Amène le pied droit à l'avant du tapis. À partir d'ici, on ramène un pivot au niveau des pieds et du genou et on va venir allonger la jambe droite. Assure-toi de bien avoir la main au sol alignée avec l'épaule du haut. Inspire, soulève la main. Et fais des mouvements en alternance avec le souffle. Inspire, étire le bras. Expire, monte. Viens chercher la cheville. Donc, main droite sur cheville droite. Et ouvre. Pousse le pied vers l'arrière et vers le haut. À l'expiration, le genou se ramène vers le front. Et à l'inspiration, tu ouvres. Quelquefois, ce mouvement.
Synchronise la respiration avec le mouvement. Prends tout ton temps. Reviens et planche. Expire, genoux, poitrine et menton au sol. Et à l'inspiration, présente la poitrine. Expiration, V inversé. Marche ou jump à l'avant. Inspire à demi-remontée. Expire, plonge vers le sol. Inspiration, all the way up, le corps se soulève. Et expire, ramène au cœur. À l'inspiration, vers le haut et vers l'arrière. Et expire, plonge. Et tu te retrouves dans le cavalier. Et puis tu switches encore une fois ici. Mets au cœur. Viens de l'autre côté. Place-toi. Place bien la main alignée avec le genou, alignée avec l'épaule. Et soulève la jambe. Désolé pour l'angle de vue. Étire le bras et monte. Étire et soulève. Inspire, étire et soulève. Encore quelques fois. Viens chercher la cheville gauche avec la main gauche. Ouvre à l'inspire. Et à l'expiration, genou au front. Inspire, hop. Expire. Quelques fois ton rythme. Viens regarder la main qui est au sol. Planche. Genoux, poitrine et menton au sol. Inspire. Soulève la poitrine et à l'expiration, les hanches vers le ciel. Marche ou saute entre les deux mains. Inspire à demi-remontée, expiration, front vers le tibia, inspire all the way up, vers le haut et vers l'arrière, expire, mets au cœur. À partir d'ici, tu auras besoin de tes blocs. Viens les porter environ la distance de ton torse. De l'épaule à la taille environ. Prépare-toi doucement. À ton rythme, viens porter le pied droit derrière, comme dans le guerrier 3. Et cette fois, on va venir utiliser les blocs. Viens déposer les mains sur les blocs. Les blocs étant un prolongement du sol, mais qui te permettra d'avoir vraiment le dos un peu plus droit, le corps soutenu. Ce qu'on veut ici, regarde tes orteils du pied derrière. On les veut qu'ils pointent le sol, donc on ne veut pas ouvrir la hanche. Et on essaie de soulever la jambe pour sentir vraiment l'engagement au niveau de la cuisse et du bas du fessier. Donc du haut de la cuisse et du bas du fessier, on sent la résistance,
On sent le renforcement ici. Le pied qui est au sol est aligné avec les hanches. Et on garde la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Garde l'alignement et respire ici et doucement ramène le genou au front. Inspire, pousse dans le talon. Et encore quelques fois à ton rythme. Expire, genou front, inspire, pousse dans le talon. Toujours en gardant cet alignement vers le sol sans ouvrir la hanche. Même si le pied est pointé, imagine-toi que tes orteils pointent le tapis pour garder cet alignement. Et doucement, remonte. Sans déposer le pied droit au sol, viens le chercher avec les mains. Et continue de pousser dans le talon, mais cette fois vers l'avant. Et déplie la jambe. Prends ton temps. Déplie la jambe. Peut-être que tu voudras venir chercher plus au niveau de la cheville. Permets-toi d'observer ce mouvement. Qu'est-ce que ça ouvre en toi? Et doucement, viens chercher la cheville droite avec la main droite. Assure-toi d'avoir le genou qui pointe le sol et doucement, pousse la jambe vers le haut et vers l'arrière sans ouvrir la cheville. Donc, continue de pointer vers le sol et vers l'arrière la jambe, comme si tu voulais ouvrir davantage le pied sans ouvrir la hanche. Et reviens. Doucement en équilibre maintenant, posture de l'arbre. Donc, le pied droit se dépose soit sur le mollet ou l'intérieur de la cuisse, jamais sur l'articulation du genou. Soulève les bras dans la posture de l'arbre. Respire bien ici. Et doucement, si c'est possible, viens porter la main gauche vers l'arrière et la main droite vers l'avant, de sorte à toucher les hanches opposées et tourne le visage vers la gauche. Torsion dans la posture de l'arbre. Remonte les bras, étire d'un côté, on étire tout le côté gauche en voulant amener de plus en plus le corps vers la droite dans la posture de l'arbre et on revient, on relâche les jambes dans la posture de la montagne, tu peux faire des rotations avec tes chevilles. Prépare-toi à faire la même série de l'autre côté. Dégourdis le corps, lâche prise, laisse tout aller, amuse-toi, libère les tensions. Prêt? Ancre le corps, pousse bien dans les jambes. Ouvre les épaules, ouvre le corps vers l'arrière et reviens. Inspire, soulève les bras vers le haut et ramène au cœur, expire. Viens porter les mains sur les blocs. Et cette fois, c'est le pied gauche que tu pousses à l'arrière. Encore une fois, observe les orteils. Assure-toi qu'ils pointent bien le tapis. Respire ici. Sens la force qui se crée, la résistance au niveau du haut de la cuisse et du bas de ton fessier. Respire profondément. Amène le genou au front. Inspire, allonge. Expire, squeeze. Encore une dernière fois à ton rythme. Et une dernière fois encore. Une dernière fois encore. Et doucement, plie le genou sans toucher le sol.
Rapproche le pied, viens chercher ce dernier et emmène le talon droit vers l'avant. Pousse dans le talon pour allonger la jambe. Viens chercher la cheville. Reste ici. Respire. Relâche les épaules. Essaie de revenir le plus droite possible. Et relâche. Viens chercher avec la main gauche, la cheville gauche. Et fais ton chemin vers la posture du danseur. Le genou pointe le sol et le pied à l'inspiration pousse vers l'avant et vers le haut. Et la main s'en vient devant en Chin Mudra. Respire ici. Viens porter le pied soit sur le mollet ou l'intérieur de la cuisse. Posture de l'arbre. Mais au cœur, tu peux soit rester ici ou aller dans la torsion. Le regard vers la gauche, vers la droite, pardon. Soulève les bras vers le ciel et viens étirer tout le côté droit en emmenant le corps vers la gauche. Garde ton équilibre, pousse bien dans ton pied, engage le plancher pelvien et redescends. Prends ton temps ici, étire les chevilles, fais tous les ajustements nécessaires. Ressaute. Laisse le corps s'étirer, étire même les chevilles, le dessus des pieds et redépose-toi. Ensuite, ouvre bien les jambes. À partir d'ici, laisse le corps aller vers le sol, les mains se déposent sous les épaules. Ouvre les jambes encore et si c'est possible, soit tu gardes tes mains simplement au sol là où c'est possible ou tu déposes ta tête. Permets-toi ici de pousser dans tes pieds jusque dans l'extérieur de ceux-ci. Pousse dans tes pieds. Relâche le haut du corps vers le sol et remonte. Remonte dans Malasana. Viens porter les mains au cœur. Les pieds qui pointent vers l'extérieur. Plus tu rapproches les talons, plus tu vas ouvrir les hanches davantage avec l'arrière de tes bras. Le dos est droit. La colonne s'allonge vers le ciel. À partir d'ici, viens déposer la main droite au sol et ouvre la main gauche. Inspire vers le haut. Expire lorsque tu ramènes à l'avant, comme si tu voulais balayer le vent devant toi. Encore quelques fois. À ton rythme, toujours en continuant d'ouvrir la hanche. Et doucement, si c'est possible, viens chercher à entourer la cuisse droite, la jambe droite. Et ouvre les épaules, regarde vers le haut et vers l'arrière. Continue de pousser dans le sol avec les pieds et d'ouvrir les hanches. Doucement, ramène les mains au cœur. Viens déposer l'autre main cette fois au sol. Ouvre et ramène. Ouvre à l'inspire. Ramène à l'expire. Encore quelques fois. Au rythme de ta respiration.
Et si c'est possible, variation un peu plus avancée. Viens chercher les mains derrière le dos pour ouvrir davantage les épaules. Pointe bien le centre du corps, la base de la colonne vers le sol et ramène. Viens t'asseoir au tapis. Assis au sol. Et cette fois, on va venir ouvrir les jambes. Garde ton équilibre et ouvre les jambes vers le haut. Expire, ramène les orteils entre eux. Inspire vers le haut. Expire, ramène les orteils vers toi sans toucher le sol. Amuse-toi en alternance sur ton inspire et ton expire. Viens chercher l'extérieur des pieds, comme dans un bébé heureux, mais en équilibre. Garde la posture. Et doucement, viens chercher les orteils. Ouvre les jambes vers le haut. Étire. Ouvre les jambes. Garde l'équilibre. Engage le plancher pelvien et le centre du corps. Comme si tu voulais ouvrir davantage la poitrine, les épaules. Et redescends. Amène les pieds l'un contre l'autre. Viens chercher à déposer les mains sur les pieds et fais un peu le papillon. Ouvre les hanches, allonge la colonne. Et doucement, viens te déposer le dos au tapis. Shavasana. Mais on n'a pas terminé. Donc reste ici quelques instants, simplement pour laisser le corps se reposer, ramener à lui de l'énergie et à l'inspiration, posture sur les épaules. Fais tous les ajustements nécessaires. Rapproche les épaules. Reste dans la pose sans bouger la nuque, sans bouger le cou. Je t'invite toujours à aller voir les tutoriels pour plus de précision sur chacune des postures de base. Respire profondément ici. Et doucement, ramène les genoux vers le front. Ouvre, si c'est possible pour toi, les bras au tapis, seulement si c'est possible pour toi. Respecte ta limite en tout temps. Tu es 100% responsable des décisions que tu prends, que tu décides de suivre. Je ne suis qu'un guide pour t'amener à des variations plus avancées si tu y es rendu. Continue ici. Respire dans cette pose. Et doucement, viens porter la jambe droite vers l'arrière. Peut-être touches-tu le sol avec tes orteils. Même chose avec la jambe gauche. À l'expire, inspire, remonte. En alternance, lorsque tu descends une jambe, tu expires. Et lorsqu'elle remonte, tu inspires. Dépose les orteils au sol,
rapproche. Les orteils poussent dans les talons. Si tes pieds ne touchent pas le sol, garde toujours, toujours, toujours les mains dans ton dos pour soutenir le corps. Ici, ce n'est pas question de performance, mais bien d'écoute profonde. C'est un processus. Toutes les postures sont bonnes, que tu sois dans la débutante ou dans l'intermédiaire. Et doucement, roule la colonne. Déroule vers le sol. Dépose-toi au sol complètement ici. Et je t'invite à utiliser un bloc, si tu en as un. Prends d'abord un instant pour faire droite, gauche, gauche, droite avec la nuque. Laisse le corps se déposer un instant. Et ensuite, fais ton chemin dans Matsyasana, mais supporté. Donc, viens porter le bloc au niveau des omoplates derrière. Donc, le haut du bloc au niveau du bas des omoplates. Et on vient se coucher dessus pour vraiment venir supporter cette ouverture de la poitrine qu'on va pouvoir justement expérimenter ce lâcher-prise. Lâcher-prise, une ouverture à ce qui est là, ici et maintenant. Donc, un effet aussi peut-être d'ouverture au niveau des jambes. Laisse aller les pieds de chaque côté, peut-être, comme une étoile. Et tu laisses le haut du corps se révéler. Et à chaque expiration, par trois fois, tu squeezes le visage vers le centre. Et à l'expire, tu relâches tout le visage vers l'extérieur. Donc, tu sors la langue, tu roules les yeux vers le haut. Donc, inspire, tu squeeze, 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 squeeze le visage vers le centre et à l'expiration, comme dans la posture du lion qui rugit, tu ouvres complètement le visage. Une détente totale de tout le visage se fait ressentir. Ressens les bienfaits de cette posture supportée encore quelques instants. Laisse-la agir sur ton plexus solaire. Le centre du cœur, le centre de la gorge, qui se révèle davantage. Encore quelques respirations profondes. Encore quelques respirations profondes. Et doucement, ton rythme, tu te relèves, soit avec la force de tes bras ou tu te tournes avant de déloger le bloc derrière. Prends tout ton temps, tourne-toi un instant en position comme un fœtus vers la droite. Les genoux qui reviennent vers toi. Donc, tu arrondis le dos pour faire une contre-pause et tu laisses à la terre tout le côté droit, le côté solaire. Tu laisses ce côté actif se neutraliser avec la terre. Tu permets à ton corps de complètement s'abandonner à la terre. Et à partir d'ici, pose dans la main pour te relever doucement et t'asseoir en méditation. Et reste ici 5 à 10 minutes. C'est ton moment. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Namasté.
Thank you.